De retour dans les toilettes. Ah, je suis content d'avoir retrouvé mon aspect. Je me demande où est Hermione. J'espère... Je suis très déçu que tu aies raté mon cours de défense contre les forces du mal. Il faut travailler... On dirait que tu es l'élève préféré. N'oublie pas que le bureau de Lockhart se trouve au rez-de-chaussée. Une leçon particulière avec Lockhart, c'est encore... Je vais essayer de trouver Hermione. Je me demande... Que Potter est l'héritier de Serpentard. Potter est un fourchelangue. Que je te déchire. En tout cher. Désolé, Harry, mais si tu veux une carte des sorts... Paracelse. Désolé, Harry, mais si tu veux d'autres cartes... des sorcières et sorciers célèbres, il faudra que tu les trouves autour de Poudlard. Viens à moi.
que je te déchire. Tu ne me croiras jamais. Hermione est à l'infirmerie. Le Polynectar l'a... J'espère que Madame Pomme Fraîche ne lui posera pas trop de questions. Harry, tu as réussi. C'est terrible ce qui est arrivé au petit Crivet, sans parler de... Ne te fais pas de soucis. En tant que professeur de Regardez ma baguette de luxe. Fais-le trois fois, et tu apprendras le sort. Tu es prêt? Magnifique! Magnifique! Voyons, voyons. Dommage. C'était le plus facile. Prêt? Magnifique! Magnifique! Beaucoup de style, tout comme moi. Magnifique! Encore un, prépare-toi. Parfait! Beaucoup de style, tout comme moi. Magnifique! Parfait!
Tu as une note moyenne, pas mal. Si tu reviens plus tard, tu pourras tenter ta chance. C'est le moment d'utiliser le sort que tu as appris. Viens, Harry. Appuie. Le sort te montrera des objets cachés par... Parfait, Harry. Je savais que tu réussirais. Sauf toi, maintenant. Demain... La course pour la Coupe des Quatre Maisons continue. Serre d'Aigle. Pouf souffle. Serpentard. Gryffondor. Les Gryffondor mènent au point. La course s'annonce très serrée. Joyeux Saint-Valentin, Harry ! Combien de cartes as-tu reçues ? Moi, j'ai pris la liberté de vous faire... Voici les cupidons porteurs de messages. Hé, hey, c'est toi, Harry Potter ? Reste ici, j'ai un message. Bah, des cartes de la...
Harry feuilleta les pages blanches du journal. Il prit une plume, la trempa dans l'encrier rouge et laissa tomber une goutte d'encre sur la première page. D'un geste fébrile, Harry reprit sa plume et écrivit « Je m'appelle Harry Potter ». C'est alors qu'il se passa quelque chose d'étrange. Des lettres se formèrent sur la page et une phrase apparut sous ses yeux. Harry faillit renverser son encrier. D'autres mots apparurent alors. « Je sais tout sur la chambre des secrets, Harry Potter. Il y a 50 ans, la chambre a été ouverte et une fille a été tuée. J'ai réussi à prendre sur le fait, c'est lui qui avait ouvert la chambre. » Harry hésita une fraction de seconde, puis il écrivit « Ok ». Les pages du journal se mirent alors à tourner toutes seules, comme sous l'action d'une rafale de vent, et Harry fut précipité tête la première dans le carnet. Harry vit qu'il se trouvait dans un couloir des cachots de Poudlard. À travers la porte entrouverte, il vit un garçon d'environ 16 ans. Tout à coup, Harry reconnut Tom Jedusort, le propriétaire du journal. Puis il entendit quelqu'un chuchoter. « Allez, viens! Il faut te sortir de là! Allez, viens! Dans la boîte !» C'était la voix de Hagrid, et Harry voyait qu'il était accroupi devant une grosse boîte. Soudain, Jedusort s'avança. « Bonsoir, Rubéus. C'est fini pour toi. Je vais être obligé de te dénoncer. Le moins que Poudlard puisse faire, c'est d'abattre la chose qui a tué cette fille. » Le jeune Hagrid se releva et se mit à rugir. « C'était pas lui ! Jamais il aurait fait ça ! Jamais !» Alors, de la boîte sortit quelque chose qui arracha à Harry un hurlement perçant que lui seul put entendre. C'était un long corps bas, hérissé de poils, avec un enchevêtrement de pattes noires, des yeux innombrables qui brillaient dans l'obscurité et une paire de pinces aiguisées comme un rasoir. La chose s'enfuit, fila le long du couloir et disparut. Non ! Tout se mit alors à tourner. L'obscurité devint totale. Harry se sentit tomber et atterrit avec fracas. Plus tard, Harry retrouva Ron et Hermione. Qu'est-ce qu'il y a ? Harry pouvait à peine parler. C'est Hagrid ! Hagrid a ouvert la chambre des secrets il y a 50 ans ! Peut-être.